Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le tracé de cette rosace d'église. Comme vous le voyez, elle est très simple et très accessible et ressemble à une fleur à 8 pétales. Nous verrons aussi un tracé très ancien qui fait intervenir le nombre d'or au niveau des cercles qui façonnent chacun de ces 8 pétales. Mais avant cela, prenons un moment pour en savoir un peu plus sur la symbolique du 8 pour les chrétiens. Car nous savons tous que le 8 est associé au symbole de l'infini et qu'il traduit l'équilibre parfait entre la réalité terrestre et la réalité cosmique. Mais pour les chrétiens, le 8 est associé à Jésus-Christ, synonyme de vie nouvelle et de résurrection. Voyons donc maintenant de plus près le tracé de cette rosace d'église. Donc tout commence par le tracé des médianes, verticales et horizontales, qui permettent de positionner ce cercle. Alors, je m'arrête là un instant, le temps de mettre en évidence toute la portée et l'importance de cette simple forme qui nous semble tellement anodine que vous vous demandez peut-être pourquoi je fais cette pause. Eh bien, voilà ce que disent nos anciens à ce sujet. Les médianes sont l'expression graphique du point central qui se projette dans les quatre directions cardinales. Elles forment une croix à travers laquelle de nombreuses informations sont échangées. Venant de l'est pour recevoir la lumière, venant de l'ouest pour recevoir l'ombre, venant du sud pour recevoir l'esprit de la terre et venant du nord pour recevoir l'esprit du ciel. Cette croix est sans limite, mais par respect vis-à-vis des autres plans de la création, l'espace organisé va s'inscrire dans un cercle limité. À cet instant, le monde profane des humains rejoint le monde divin des dieux. La droite pour les humains et le cercle pour les dieux. Bien, maintenant que nous avons vu ce cercle, il nous suffit de tracer ces quatre pétales pour obtenir les diagonales, puis ces deux carrés à l'intérieur. Là aussi, nos anciens nous disent quelque chose à ce sujet. Du mariage du cercle et de la croix naît l'esprit de la forme. Touchant de la terre de sa pointe inférieure la fécondation de la forme, en germe devient alors possible. Ça, c'est donc pour le premier carré, qui est aussi appelé carré ciel. Pour le second carré, voici ce qu'ils disent. Le mariage des pétales avec le carré masculin engendre 8 points. En les reliant, nous obtenons le carré féminin. C'est le moule de la forme dans laquelle toute création se glisse. C'est pour cela que ce second carré est appelé carré terre. Alors, je ne connais pas l'origine de ce texte, il m'a été donné il y a plusieurs années déjà, mais il m'a paru intéressant de le partager ici avec vous, car cette rosace s'y prête parfaitement. Donc reprenons notre tracé en rajoutant les rayons intermédiaires grâce à ces deux carrés. Ensuite, nous allons tracer une portion de droite au niveau des pétales pour obtenir, par tangence, un second cercle périphérique. Là, nous allons tracer un autre segment qui correspond à une portion d'octogone, pour obtenir par tangence un troisième cercle périphérique. Vient maintenant ce cercle central qui semble n'avoir aucun lien avec la structure existante. Et pourtant, il y en a bien un et non des moindres, puisqu'il s'agit du cercle φ, c'est-à-dire que le rapport entre le diamètre entre le cercle de base et le diamètre de ce cercle donne 1,618 comme résultat, c'est-à-dire le nombre d'or. Pour l'obtenir, nous allons voir un tracé très ancien qui est appelé tracé en moyenne et extrême raison. Le mot « raison » signifie ici « proportion ». Je vous propose de prendre une autre feuille pour réaliser ce tracé bien particulier, en reportant le même cercle de base que celui que nous venons de tracer. À partir de là, nous allons reporter ce même cercle sur le point A. Nous obtenons les points B et C, qui nous donnent le point D. À partir du point A, je trace un cercle de rayon AD, qui me donne le point E. Je reporte ce même petit cercle de rayon AD en E, et grâce à ce cercle, je peux tracer ce cercle central par tangence. Nous obtenons ainsi ce fameux cercle φ, dont le rapport entre les rayons donne 1,618 comme résultat. Il suffit maintenant de reporter ce cercle sur notre feuille de tracé de la rosace. C'est à partir de ce cercle φ que nous allons tracer nos 8 pétales. Pour cela,
nous allons commencer par tracer une première série de 8 cercles en tangence au carré ciel-terre, plus 1 au centre. Avec ces 8 cercles, nous pouvons tracer par tangence un quatrième cercle périphérique. Dans le petit cercle central, nous allons tracer ce carré pour obtenir par tangence un nouveau cercle central plus petit, que nous allons ensuite reporter 8 fois sur le cercle phi. Bien, maintenant identifiez ce deuxième cercle périphérique. Nous allons tracer 2 nouveaux carrés dans ce cercle. Grâce à ces 2 carrés, nous allons pouvoir dessiner une troisième série de 8 cercles, plus 1 au centre. Il nous faut une dernière série de 8 cercles pour terminer cette rosace. Pour l'obtenir, nous allons tracer ces 8 petits cercles cardinaux en tangence avec les 4 pétales de base. Il nous suffit ensuite de les reporter 4 fois sur le même cercle phi, plus 1 au centre. Il ne nous reste plus qu'à tracer cette première série de droites tangentes à ces derniers cercles, puis une seconde et dernière série en tangence avec les 8 cercles qui suivent juste après. Et voilà, le tracé est terminé. Il ne nous reste plus qu'à surligner les contours définitifs de cette rosace à 8 pétales. Comme vous pouvez le voir, ce tracé semble très proche de la réalité de cette rosace. J'ai bien sûr pris de nombreuses mesures d'après cette photo pour arriver à identifier la chronologie de son tracé, afin qu'il soit le plus possible en conformité avec cette rosace. J'ai superposé bien sûr mon tracé sur la photo qui confirme cela, sauf que l'angle de la prise de vue n'est pas vraiment axial. Mais cela reste suffisant pour que cette étude soit valide et juste. D'ailleurs, qu'est-ce que le nombre d'or nous révèle à son sujet? Eh bien, si ce segment fait une unité de longueur, nous retrouvons phi au niveau de ce segment qui relie 2 pétales entre eux. Ensuite, si la largeur de ce pétale fait une unité, nous avons alors cette longueur de pétale qui fait 1,618. Si cette longueur de pétale fait 1, nous retrouvons alors le nombre d'or à ce niveau. Enfin, si nous avons ce grand segment qui fait une unité de longueur, nous retrouvons phi au niveau de ce segment. Sans oublier bien sûr le cercle phi sur lequel sont centrés tous les cercles de chaque pétale. Pour finir, on retrouve aussi la présence d'une pyramide sacrée dans chacun des 8 axes, ainsi qu'un triangle d'argent et un triangle d'or. Et nous sommes donc en présence d'une rosace qui, malgré son côté anodin de prime abord, est quand même bien habitée par le nombre d'or. Ceci pourrait expliquer sa présence dans une église d'où émane tout naturellement une belle énergie, lumière, conscience, comme j'ai l'habitude de dire. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Je vous invite à faire l'expérience de la géométrie de cette rosace d'une grande sobriété. Je vous invite aussi à visionner ces autres vidéos qui viennent en complément de celle-ci. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci.